Cher André, comme tu me l'as demandé, je t'écris ces quelques mots pour te donner des nouvelles des vendanges 2018. Comme nous pouvions l'imaginer, Arthur est vraiment à la hauteur de ce grand millésime à venir. J'ai vraiment été impressionné par son professionnalisme, particulièrement lors de cette macération de 15 minutes dans la mets du pressoir, après un pressurage de 10 minutes, porte ouverte. Une véritable innovation. Sur la télé, Arthur. Toujours à faire le pitre, Arthur. Le pantalon troué, Arthur. Mes clés dans la poubelle, oh. Chaussures dans la vaisselle, oh. Renverser le pot de miel. Cherchez pas, c'est toujours Arthur. Bon, un grand bonhomme, toi, Arthur. Très efficace, très professionnel. Bon, même si selon moi, le décuvage du pinot noir était un peu trop rapide. Dans les vignes, je respecte pas toujours les limitations de vitesse. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Et comme les vendangeurs nous coûtent cher, je suis un peu autoritaire. Je les mets parfois au garde à vous. Mais bon, ils ont l'air d'apprécier. Allez, plus vite, plus vite! Plus vite! Ah, c'est bien, vous avez bien écouté, vous êtes allé vite. Hein. Cependant, je porte une véritable importance à la pause pour mon bien-être. Pour celui de l'équipe, bien sûr. Je bois, je picole et je m'abandonne au plaisir sucré de vous voir presser d'aller bosser. Et moi, je reste au bar et je bois, je bois. Je bois, je picole, je rêve que je batifole tout nu dans un pré. Avec 200 filles qui me courent après.
comme je plane, ne me rattrape pas. Je bois, je picole, d'avance je rigole. Et comme chaque année, après une bonne journée de travail, on en profite pour se détendre. Et comme tu peux le voir, l'équipe est vraiment formidable. Et comme tu nous l'as demandé, tous les jours, nous les encourageons à lire la Bible du vigneron. Ils pourront ainsi acheter, comprendre nos vins. Carte blanche lui a même été donnée sur le Zellberg où Arthur signe l'étincelante cuvée exutoire ZR1. On dirait une planète un peu. Autrefois regroupée dans l'ensemble barrique, les pinots gris et blancs font désormais partie de la gamme Jardin Ostertag. Jardin, point. Ostertag exploite de belles parcelles dans les terroirs de Zellberg, de Fronholz, sur le grand cru Münchberg, sans oublier les clos Matisse, sur le Hagel à Ribeauvillé, la petite touche du fidèle chef de culture Hubert Matisse. Et que dire de ton fidèle Hubert, qui t'a servi pendant toutes ces années et qui aujourd'hui vit ses dernières vendanges au domaine? Si ce n'est merci, merci pour cette année passée. Cependant, mon cher André, des événements étranges me font dire qu'il est quand même temps que tu reviennes. Annie et Eric proposant plus de proximité avec les vendangeurs. La passion du produit qu'on fait ici, c'est la base pour faire un grand produit. Et ce n'est pas une activité ce qu'on fait toute seule. Alors après, Annie elle a dit, ah bon, il y a des tournants. Activité ce qu'on fait toute seule. Tu as vu ici, c'est un travail d'équipe. Et ici, c'est une équipe magnifique. Et il va y avoir une tournante dans les vignes. Une tournante dans les vignes, ce qui paraît cet après-midi. Annie a annoncé qu'il y aurait une tournante cet après-midi dans les vignes. Et que dire de Thomas, qui cherche à enseigner les vendangeuses? Grâce à Boris. Et la longueur en bouche, grâce à Thomas. Voilà, et puis d'être avec des copains de moi aussi.
longueur en route grâce à Thomas. Et voilà, je suis super contente d'avoir fait ça aussi. Surtout, c'est mieux en deuxième, c'est pas fou. Et d'avoir de découvrir tout ça. Voilà André pour ces quelques nouvelles. Merci de nous avoir fait confiance. Nous attendons ton retour avec impatience. À très bientôt, Boris. En San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la corona.